Hôtel, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Présentez-vous à guinemathem.com. Bon, je m'appelle Babaïdo. Je suis enseignant de profession. Oui. Monsieur Baïdo, qu'est-ce que vous attendez du discours du président de la République qu'il va prononcer demain? Bon, j'attends de son discours beaucoup de choses. Oui. D'abord, je souhaite que maintenant, qu'il prenne des dispositions concrètes pour que la situation socio-économique du pays change réellement. Puisque jusqu'à présent, ce que nous vivons, c'est vraiment le calvaire. Les gens souffrent. Donc, j'attends de lui vraiment qu'il prenne des décisions concrètes, qu'il réalise tous les projets qu'il a monté, que ce soit du concret maintenant. C'est ce que j'attends fondamentalement de lui, et que vraiment la situation du Guinée change maintenant, parce qu'on a beaucoup souffert. Il y a eu beaucoup de promesses non réalisées. C'est que j'attends que la réalisation concrète maintenant. Quand je prends Bayam, le chemin de fer, les routes, les écoles, la qualification des écoles, les enseignants, il faut les rémunérer très bien, etc. Je crois que c'est le gâteau de Dieu. C'est ça, fondamentalement, c'est ça. Il y a eu beaucoup de promesses, là, qui réalisent ces promesses. Ok, c'est tout. Fondamentalement, c'est ça. Sinon, il y a eu beaucoup d'initiatives. Merci, monsieur. Merci.